Bonjour, attends, on va te mettre avec quand même. Si on y va à deux, on n'y va pas tout seul. Mais let's go. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on est en forme. Il fait beau, on est heureux parce qu'on va aller faire le Mont Blanc, mais pas comme l'autre fois. On va prendre un autre chemin qui s'appelle la Voie Royale, mais on ne la fait pas en entier. Enfin, c'est compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, on va faire Bionacé. Et ensuite, on va faire le Mont Blanc et on va récupérer le goûter comme... au-dessus du refuge du goûter pour monter tout au Mont Blanc, et après on redescend, on sait toujours pas par où. Mais là regardez, on voit, non vous voyez rien vous, en fait il y a trop de soleil, mais on voit où on avait été l'année dernière. C'était il y a quasiment un an, hein. C'était septembre 2022, mais voilà, maintenant on va monter par un chemin qui est un peu plus dur, un peu plus technique, un peu plus d'alpinisme réel, voilà, moins de marche quoi. Mais voilà, mais beaucoup moins dangereux parce qu'il n'y aura pas le couloir. Donc ça va être cool. Et pour l'instant, on a 7 heures de marche prévues ce matin. Demain, on a une journée de plus de 10 heures, même plus de 11-12 heures, on va pas se mentir. Et ça va être cool, on va partir tôt. On va apprécier ça, voilà. Je vous laisse avec les belles images et puis vous avez l'habitude de m'entendre parler de toute façon. Un peu chaud, ça monte bien là, ça va aller. Allez. Et les gars, il se rend pas compte à quel point il va vite. Je suis avec Kylian Jornet en fait. J'ai troqué Damien contre Kylian Jornet. Il est tout là-bas, regardez. Il me regarde. Et les gars, genre 5 minutes on était ensemble. Et là il a 5 minutes d'avance. Pourquoi je souffre comme ça, putain. Oui, c'est pas compliqué. Mais voilà, on va bientôt petit point parcours les amis. On va bientôt arriver au. Oula. On va bientôt arriver au premier refuge. Donc on va s'arrêter au Garay là-bas. On va se poser. On va peut-être boire un coup aussi. Petit coca, sinon. Et ensuite on va monter au deuxième. Donc là par contre ça va monter raide. Et ça sera fini la randonnée. Parce qu'on va attaquer le. Un peu d'alpinisme, alors alpinisme tranquille, on va remonter un peu comme le couloir du goûter, mais voilà, ça va un peu changer, ça va être un peu plus lent à monter, etc. Donc ça va être cool, et c'est incroyable, on a toujours le beau temps, on a les glaciers devant, avec Damien, on a la vallée là-bas, c'est pas du tout Chamonix, Chamonix c'est de l'autre côté, mais voilà, comme ça, ça vous a un petit point, j'essaierai de vous mettre des points sur une carte, pour que vous compreniez. Voilà. On est à 2550 et le refuge est à 2180, il reste 130 mètres à monter, c'est tranquille. Nous sommes heureux. Ça va, Damien? Il est en forme. Plus de 450 mètres, c'est bon. Le pauvre, il en a marre, je lui donne notre dénivelé à chaque fois. Il a l'impression que ça avance pas. Non, là, il nous reste 150 mètres environ. On est bientôt, ça va être derrière moi le refuge. Et c'est incroyable. Bon, c'est clairement identique au couloir du goûter là, ce qu'on monte. C'est de la merde, de la merde, de la merde, quoi. C'est vraiment de la merde. Et voilà, on a deux nouveaux potes qui sont là-bas, qui ont pris une petite pause, mais qui montent tranquillement. Et nous, on vient de tout là-bas, vers là-bas, et puis derrière la montagne, en fait. Hein. Et voilà, on vient de loin. On n'a pas fait tant que ça, donc là, on a fait
Merde, moi j'arrive plus à vous centrer. 11 kills. Ouais. Mais 2000 mètres de dénivelé. 1800 pour l'instant. On va y arriver, t'inquiète pas. Oh voilà, on est bientôt en haut. Bon, ça va, on va arriver assez tôt. On se retrouve en haut au refuge. Faire un petit tuto. Quelle ça? Du quartz. De quoi? Du quartz. Non, non, un truc qui est plein de cailloux. Une montagne. Ouais, bien joué. Là, il est fort. On l'a fait. Ah, du coup, c'est pas ça. On croyait que c'était le refuge là-bas, mais pas du tout. Il est derrière moi. Bien joué. Et voilà, arrivé au refuge, il est tout petit. Ça change. C'est plus le refuge italien ici. Putain. Mais voilà, on y est. Et donc demain, on fait tout ça. Tout ça. Et derrière, on va au Mont Blanc. Mais on le voit pas encore. On le verra demain, au lever du soleil. Voilà. Oh, bah, ça va être l'occasion de se reposer. Les petits potes, regardez ce qu'on voit là-bas. On le voit maintenant, et juste là-bas, il y a un nombre de parapentes qui est incroyable. Il y en a partout dans le ciel, et il y en avait vraiment énormément de terre là-bas. Franchement, c'est incroyable. Ils doivent se régaler. Alors, mais demain, c'est nous qui serons là-bas. On espère. Hein, oula, on va éviter de tomber. Je suis parti là-bas pieds nus, moi. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Ouais, idée de merde, c'en est une bonne ça. Ça fait mal. Hop, hop, c'est bon, on va passer le plus dur. On peut marcher tranquille sur les gros cailloux. Ce soir, on a le petit repas et le petit déjeuner demain matin. Comme ça, on sera en forme pour un départ à beaucoup trop tôt, 3h du mat. Je vous le rappelle. La cabane est hyper rustique. Il y a vraiment 12 couchages quoi. C'est indécent, c'est mal. Donc voilà. Mais j'ai hâte d'être à demain. J'espère que vous aussi. 100%, c'est beau ça. Ouais, c'est parti. Ça va être l'heure d'aller dormir. Il est 19h45. On va aller dodo parce que demain c'est réveillé 2h45. Et on a une énorme journée qui s'apparente à du théoriquement 15 heures à peu près de marche. Enfin d'IP. Donc voilà. Donc on espère être au Mont Blanc à midi au plus tard. Après ça commencera à être short, mais j'ai confiance en nous. Si on passe bien les premières difficultés, ça devrait bien se passer. Ça va rouler tout seul après. Après ça dépend de notre cardio et de nos jambes. Mais on s'est bien reposé. On va passer une bonne nuit. Voilà. J'ai vraiment hâte d'y aller. On a un coucher de soleil qui est magnifique. Avec des couleurs incroyables. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais là, vous ne voyez pas. Parce qu'il y a la montagne. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Dans le noir et dans le froid. Ciao! Voilà, c'est bon, c'est la première fois que je parle de la journée, parce qu'il fait jour et que vous me voyez, sinon c'était pas drôle. Mais on a bien avancé. Venez, attendez, on vient de tout là-bas, sur l'arête. Hop, on a fait tout ça. Et là, on est en train d'escalader tout ça. Ok.
Avec un peu de monde, ça bouchonne un peu. I think so, huh? Don't know. Et là, on doit encore monter un peu. Et, wow, le ciel, t'as vu le ciel? Comment c'est joli? Ouais. Fondu de couleurs là, regardez-moi ça. Un arc-en-ciel. Le ciel est un arc-en-ciel. C'est incroyable. Moi, je raconte ma vie, mais vous avez l'habitude. Encore là, on vient d'arriver au dôme du goûter, il est 10h15, il est là-bas, on va devoir faire vite, j'ai dû convaincre Damien, mais je vais lui montrer comme quoi je peux marcher vite, très vite. Et là, bah, on est au-dessus de toutes les autres montagnes, c'est incroyable, tu vois, petit souvenir de ce qu'était notre première vidéo, c'était ici, juste quelque part. Liane, je pense fort à toi, maintenant on y va. On va là-bas. Ah, bien joué. Ah, on l'a fait les gars. Oh putain. On ne voit rien. Oh mais mon dieu. Oh c'est incroyable. Oh putain. Oh c'est trop beau. On va faire les photos maintenant. On a immortalisé le moment parce que c'est incroyable.
c'est tellement bon, vous savez pas à quel point. Il n'y a personne de plus haut que nous sur cette putain d'Europe. À des kilomètres à la ronde. Personne n'est plus haut que nous. Oh, c'est incroyable. Maintenant on va pouvoir descendre. Mais c'était incroyable. On a beaucoup de marche. 5 heures à peu près, 6 heures peut-être. On verra bien. Merde, j'ai oublié de mettre le timer. Et voilà. Oh, je suis trop heureux, vous savez pas à quel point. Vous savez pas à quel point. Hey Kylian, il y a un peu de toi ici. Hey les petits potes. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Oh, je dois avoir une tête, ça fait peur. Désolé. Mais je suis désolé, oh, c'est catastrophique. Mais ouais, j'ai plus de batterie dans ma GoPro, j'avais la flemme d'en prendre une autre. Parce qu'elle était tout au fond du cercle et que voilà. Et qu'on a un peu speedé pour essayer d'avoir la benne. On ne l'aura pas malheureusement. Et là on redescend, on est repassé par le couloir de la mort, je sais pas si vous vous souvenez. Mais ça va, il était très très calme. On a eu une chute de pierre sur genre 4 heures. Donc franchement, plutôt bien. On est passé serein. Et là maintenant on redescend la voiture. On a encore bien 2 heures et quelques de marche. Sachant que ça fait déjà 14 heures qu'on est parti. Je suis clairement en train d'exploser mon record de temps de rando. Mais voilà, c'était trop bien. C'était magnifique. Franchement, à faire au moins une fois dans sa vie, quoi. Là, c'est fait. On va éviter de tomber. Oh putain. Tu sais, le chemin de rando qu'on prend. Est-ce que c'est le passage qui fait ça? Ou est-ce que c'est genre la rivière qui s'est dit. Tiens, on va faire un chemin. Là, on va commencer à genre mettre des petits cailloux, tu vois, quoi, je sais pas. Il y a des deux, il y a des associations pour ça. Ok, ouais. Oh putain. On est enfin arrivé. Putain, les gars. On y était. Regardez comment c'est joli en plus. Tout là-bas, ça, c'est le refuge, donc on était encore plus haut que ça là-bas. J'ai mal aux pieds, j'ai mal partout. On a enfin retrouvé la voiture. C'est long. On a mis, je sais pas combien de temps à descendre là. C'est indécent. Mais 4000 mètres de démoin, ouais, on est content pour rien, c'est nul, on s'en fout. On a eu sur les rentrées. Mais maintenant, c'est l'heure du McDo. Et ça, ça fait plaisir. Là, on est heureux pour ça. On va reprendre toutes les calories en une seconde. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que les images vous ont plu. Nous, c'était incroyable, franchement, c'était vraiment magnifique. Et j'espère qu'on a réussi à vous retransmettre ça, qu'on a réussi à vous montrer un peu ce qu'on voyait. Ah, tu veux couper à ce point? Et voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de faire cette petite sortie et de vous la partager. Franchement, on a eu de la chance sur le temps, sur la météo surtout. Franchement, c'était incroyable. Merci en tout cas. Ciao. I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh,